Excuse tout le monde de monsieur, voilà, aujourd'hui on est où GG? Ah bah y'a GG. Ça va GG? Donc on est à fixe court. On est à fixe court, donc je me suis coiffé les cheveux, donc vous voyez. Donc là on est parti, je vous emmène à la grande brocante de fixe court, donc elle est immense, mais c'est dans tout centre-ville, c'est parti. Là en face de moi vous avez Natacha. Ça se passe là-bas. Donc comme vous pouvez le voir, ça promet vraiment tout jusqu'au bout et c'est immense. Alors moi ce qui m'intéresse dans les brocantes, c'est pas les professionnels, parce que si vous allez même dans le sud de la France, on voit toujours les mêmes choses au niveau professionnel. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment le brocanteux pur et dur. Celui-là il m'intéresse. Et c'est vers cela que je vais aller moi. Donc là je suis sur un stand que j'affectionne particulièrement, une marque que j'affectionne. Donc il y a vraiment des beaux articles. Ils sont vrais, franchement moi j'aime bien. Et ce qui m'agace, parce qu'il faut savoir qu'avant tout c'est une marque de boxe, donc dans London, elle est caturée par des personnes qui n'ont pas de cheveux. Donc je ne citerai pas, mais franchement c'est avant tout c'est une marque de sport et c'est pas autre chose. Il faut vraiment arrêter de caricaturer cette marque qui est Lonsdale London. C'est la marque de Mohamed Ali, faut pas oublier, c'est lui qui a sponsorisé Mike Tyson également. Ils ont vraiment des beaux vêtements, hein, vous voyez. Ils sont chouettes, là c'est les zips. Là c'est les polos, non franchement il y a de très très belles fringues. Alors cette veste là c'est une nouvelle collection, donc vous la touchez à 89 €, mais alors attention, hein, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc pour ceux qui connaissent RN, qui connaissent la Saint-Clément, donc la personne qui s'occupe de ce stand là, donc vous la trouverez RN. Donc il n'y a aucun souci, c'est là au mois de novembre, ça va tomber, voilà. Dites pas moi que ça vous fait pas envie tout ça. Miam 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 miam. Et il y a du people. Ce que je vous dis toujours sur les habits de bébé, regardez. Pas dans le magasin, il faut y aller chercher ici. Petit DVD que j'aime bien toujours regarder, c'est DVD, quand vous le voyez dedans, il est correct. Il faut voir, c'est parier, forcément vous n'êtes pas bête, hein. Il faut voir si c'est ok. Allez, du coup, la mienne est vitesse. Donc là, ce que j'affectionne particulièrement aussi, c'est les DVD quand vous cherchez comme ça. Ça allait passer à télé il n'y a pas longtemps. Donc vous voulez toucher à 1 € le DVD en moyenne en brocante, voire 50 centimes, mais pas plus cher. Donc là, des grands classiques. Avec Sylvester Stallone, Predator avec Schwarzenegger, et puis avec Clint Eastwood. Vous voyez, donc ça pour la bagatelle, seulement 3 €, là je vais payer le monsieur. Patrick Swayze, il y en a bien d'autres. Vous voyez, ça c'est un stand que j'affectionne particulièrement. Donc c'est une artiste. Donc vous avez les tarifs, les portraits. Vous voyez. Franchement, elle travaille super bien. Donc, elle s'appelle Justine. Là pour ses coordonnées. Franchement, elle touche. Hein. Elle dessine super bien, moi je vous la conseille. Il y a même Jack Sparrow, regardez, il est juste là, il est planqué. Je me permets, madame. Oui, allez-y. Il est là. Donc franchement, appelez-la pour qu'elle vous fasse des dessins, même votre portrait à vous, en partant d'une photo, elle vous le fera. Franchement génial, elle travaille super bien. Et là je vous montre, c'est un chat qui a été dessiné, donc c'est Justine qui a dessiné pour sa sœur, donc c'est le chat de sa sœur. Alors quand je tombe sur des stands comme ça, il y a bien vu, au marché d'Anvers, il y en a qui faisaient aussi. Franchement, moi j'adore, je kiffe complètement, franchement c'est des super dessins, c'est beau, bravo. Donc là un arrêt pour manger, donc là je me suis arrêté chez Philippe. Donc c'est une friterie, quand vous le voyez, franchement arrêtez-vous chez lui parce que les Américains sont super bien servis. Puis franchement les frites sont vraies. C'est pas du surgelé, c'est de la bonne frite. Donc le voilà Philippe, je vous le présente. Je vous l'ai déjà présenté une fois dans une de mes vidéos à la fête de la musique d'Abbeville. Là il est en plein boom. Hein. Là il y a du boulot. Ça c'est mon américain saucisse que j'ai commandé, ouais, pour me les servir. Donc, Ah ouais, et on est super bien servi. Hein. Donc quand vous croisez ce monsieur là sur une brocante, bah écoutez, elle est à son stand. Voilà, c'est Philippe, je vous le présente, il est là devant moi. Je te remercie Philippe. Là c'est pour GG. Là c'est l'américain merguez que t'as pris Jérôme. Ah ouais. Ne me dites pas que ça vous fait pas envie, franchement.
Donc bah là faut croire que... Bah Philippe il est victime de son succès avec ses frites. Donc là on arrive sur la fin de la brocante. Donc on a fait quelques petites emplettes, hein. Je me suis acheté un petit t-shirt... T-shirt Nike, je vais vous montrer ça. Donc le voilà, donc c'est un Nike. Je sais qu'il y a le petit logo sur le côté, faut juste le nettoyer. Donc tous de Monsieur Voyage ou du plus pour une future vidéo. Donc Dieu seul sait où à nous emmener. Donc n'hésitez pas à partager mes vidéos parce qu'on ne les partage pas, je ne le répéterai jamais assez. Abonnez-vous, c'est gratos et moi ça me fera plaisir. Allez, salut tous.